pour que les qualités de nature supérieure ou que les qualités spirituelles s'éveillent réellement. Il faut d'abord une base de calme. Il faut une base de sérénité. C'est la raison pour laquelle la pratique de l'attention consciente dans la présence, comme pratique de la méditation, comme premier effet, comme première étape, stop. Assieds-toi. Bouge plus. Tais-toi. Observe. Ça, c'est le début. S'il n'y a pas ça comme socle, rien d'autre ne peut être construit. Ça signifie quand soudain on s'intéresse à sa respiration ou quand soudain on devient conscient de sa respiration. Lorsqu'on fait ça, on réunit le corps et l'esprit. Alors qu'habituellement, le corps est là, il respire, et l'esprit pense à ce qui s'est passé tout à l'heure. Le corps est là, mais votre conscience et votre esprit est ailleurs. Et un jour, il faut décider de commencer à réunir les deux. Et ça se passe à travers, d'abord, l'attention consciente, à la présence, à la respiration. Et ceci est le début de la réunion à nouveau du corps et de l'esprit. Sinon, le corps se promène dans le présent, parce qu'il y est bien obligé. Mais l'esprit, il est dans le passé ou dans le futur. Et il faut le ramener. Il faut faire en sorte que les deux se rencontrent à nouveau. Il a fallu ce temps de maturation pour me sentir prête. Et c'est un endroit qui me nourrit beaucoup. Ça donne de la joie. C'était un déclic et donc j'ai voulu rentrer dans cette école. Et je ressentais un vide en moi, mais vraiment un vide et je croyais que rien ne pouvait le combler. Ça fait déjà 15 ans que je suis arrivée ici. Et... Oh là là, ce que je viens chercher ici, c'est depuis de nombreuses années. Et par moments, c'est vrai qu'on touche à quelque chose de plus profond. Oh ben, mes impressions, c'est que je ne me suis pas trompée. On arrive à avoir de moins en moins d'émotions négatives, comme il est expliqué dans l'enseignement. J'avais l'image d'être, que nous sommes tous dans un grand bateau. Toutes ces idées-là, je l'ai déjà lu ailleurs, hein, tout ce qui se passe ici. À part qu'ici, c'est le travail et le chemin, quoi, hein, ce que je n'ai jamais trouvé ailleurs. J'ai su que c'était ça. J'ai été appelé immédiatement ensuite. Et là, en ce moment, il nous donne des trucs qui facilitent les choses. Hein. Et ici, j'ai trouvé ce que je pensais être vrai. Quand j'ai rencontré l'enseignement, je ne savais même pas que ça existait. Je ne cherchais rien, j'étais comblée. Mais bon, j'avais vraiment une très grande insatisfaction dans ma vie. Pourtant, j'avais tout. Hein. Oh, je suis venue, je ne cherchais rien et j'ai tout trouvé.
Je ne peux pas imaginer être ailleurs. Regardez-vous. Beaucoup d'entre vous sont pleins d'enthousiasme, ont les aspirations les plus élevées, sont pleins de bonne volonté. Et pourtant, naturellement, vous n'arrivez pas à aimer ce que vous n'aimez pas. Naturellement, vous n'êtes pas serein. Naturellement, vous n'êtes pas plein d'enthousiasme et de joie. Il vous est quasiment impossible de comprendre les réalités spirituelles. Vous n'avez pas la clarté de l'esprit. Et à travers vos pensées, vos paroles et vos actions de tous les jours, vous n'êtes pas en contact avec ces qualités. Ou plutôt, beaucoup d'entre vous essayent réellement de les pratiquer. Puis ils dérapent constamment. Certains méditent beaucoup, d'autres essayent vraiment de pratiquer l'attention consciente. Essayent d'être des hommes bons, des femmes bonnes. Et pourtant, ils dérapent constamment. Nous sommes à une époque qui est décrite par les spiritualités et qui est annoncée par les spiritualités depuis très longtemps comme une époque de Kali Yuga. C'est une époque des ténèbres spirituelles où tout ce qui est spirituel se perd de plus en plus. Et il y a une telle influence de ces ténèbres spirituelles que même ceux qui ont l'aspiration la plus élevée n'arrive pas à la vivre et à la réaliser. Parce qu'un homme seul ne peut plus rien faire. Et même ceux qui ont l'espérance d'un monde spirituel sont dans une situation très difficile. Il leur est beaucoup plus facile de penser mal, de dire du mal et même de faire du mal que de mettre en œuvre les qualités de l'esprit. Ce qui fait que rares sont ceux qui peuvent s'éveiller dans cette vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop sous l'influence de leurs angoisses, de leurs doutes, de leurs peurs, de leurs dépressions, mais aussi de leur avidité et de tous les autres traits négatifs du caractère. Et il leur est trop difficile de s'en extraire. Vous savez, la première responsabilité, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et par là même d'apprendre à s'aimer soi-même. Apprendre à se connaître soi-même et apprendre à s'aimer soi-même, ça signifie prendre soin de soi. Et la façon la plus immédiate, la plus directe d'apprendre à se connaître, à s'aimer, à prendre soin de soi, c'est de pratiquer l'attention consciente dans la présence. À tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on ressent. Parce que seulement quelqu'un qui se connaît suffisamment lui-même, et surtout qui s'aime lui-même et qui sait prendre soin correctement de lui-même peut faire la même chose pour les autres. Et il en prend soin de façon juste.
qu'on s'aperçoit que les choses ne tombent pas toutes cuites, hein, et qu'on a une part de travail à fournir qui est importante, je dirais. Même si ce n'est pas difficile, c'est quand même difficile. Parce qu'on a tellement l'habitude de fonctionner automatiquement que se sortir de là, ça demande des efforts. Il est clair comme un initié, c'est-à-dire par moments, c'est pas clair, mais suivant après le temps qui passe, etc., on découvre une vérité, quoi. C'est un petit peu des gens que je connaissais qui étaient déjà là-dedans et ça m'a donné envie d'aller plus loin et de venir ici surtout. Je suis venu chercher ici quelque chose que je n'arrivais pas à trouver par moi-même dans mon parcours spirituel avant d'arriver ici. C'était la vie comme la vie de tout le monde avec ses différences. Mais comme coupée de mon origine, de ma vraie origine. En fait, je crois que je l'ai toujours cherché, plus ou moins consciemment. Je l'ai toujours cherché. Il y avait une nostalgie depuis même l'enfance. Déjà dans l'enfance, j'avais cette nostalgie de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, je ne savais pas ce que c'était. Évidemment, ça transforme. On n'est plus la même personne. Disons, comme d'une stance, il y a un germe qui est déposé dans le cœur et qui transforme. On n'est plus le même, plus jamais le même. En contact avec l'éternité lorsqu'on quitte le temps, quelqu'un qui n'est plus préoccupé par la ligne du temps, le passé et tout ce qui vous a marqué dans le passé, toutes vos colères, la colère vient du passé, tous les agacements qu'il y a en vous, toutes les tristesses qu'il y a en vous, ça c'est être prisonnier du temps passé qui empêche de vivre correctement le temps présent. Et la peur, elle est liée au temps futur. Et les êtres humains ramènent constamment le futur et le passé dans le présent. C'est ce qui les empêche d'entrer en contact réel avec le présent et l'instant. Et l'instant et le présent sont des portes qui ouvrent sur une dimension qui n'est pas linéaire comme le passé vers le futur, mais sur une dimension qui est verticale. C'est ce qu'on appelle l'éternité. L'instant, c'est l'éternité. Je vous propose de réfléchir dans le silence à partir de maintenant
cette nécessité pour devenir entier, de ne plus voir personne comme un ennemi, et de trouver, de commencer à chercher un moyen de se réconcilier. Donc, ces gens avec qui on n'est pas réconcilié, ils squattent une partie de notre corps, mais ils squattent aussi une partie de notre centre émotionnel et de notre centre intellectuel, ce qui fait que nous ne pouvons pas nous éveiller spirituellement, parce que nous ne sommes pas entiers. Et il faut d'abord devenir à nouveau un, pour rentrer en contact avec l'unique, avec l'esprit. Vous voyez, ça fait partie du travail sur le chemin. On ne peut pas rester avec une rancune vis-à-vis de qui que ce soit. C'est pour ça qu'il est tellement important de décider un jour de se réconcilier avec tous ceux avec qui on n'est pas réconcilié. Psychoanthropologie, on dit que l'être humain se nourrit de trois nourritures. La nourriture des aliments, la nourriture de l'air et la nourriture des impressions. Nous vivons une époque où ces trois types de nourriture sont rempli de poison. Il y a d'abord la nourriture des aliments. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la cause principale de toutes les maladies. Et pas seulement les maladies corporelles, mais également les maladies psychologiques. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important d'avoir une relation de plus en plus saine aux aliments. Et il y a deux façons d'avoir une relation saine aux aliments. Il y a d'abord éviter de manger des aliments remplis de toxines chimiques. Aujourd'hui, il n'y a plus que ceux qui gagnent de l'argent avec les aliments chimiques et les scientifiques qui sont à leur solde, qui disent encore que les aliments qui ne sont pas biologiques sont bons. Ils ne sont pas bons. Ils détruisent le corps physique de l'être humain, transforme sa capacité de penser, de ressentir des émotions. Et pour nous, c'est encore plus important parce qu'ils empêchent un développement spirituel harmonieux. Donc nous essayons de manger plutôt des aliments biologiques. Mais nous pouvons faire autre chose. Et c'est le minimum de ce que nous pouvons faire. C'est lorsque nous mangeons, c'est d'être conscient. C'est d'être dans l'attention consciente, dans la présence à ce que nous mangeons. Et nous serons quelques-uns à participer à un changement plus intérieur dans l'inconscient de l'humanité. Et l'autre chose que nous pouvons toujours faire lorsque nous mangeons, c'est être dans la gratitude pour ce que nous pouvons manger. Le fait d'introduire de l'attention, de l'énergie d'attention et la gratitude dans le fait de manger, c'est comme si du point de vue spirituel, ça éliminait ces toxines. Et c'est la réponse à ce que disait Rudolf Steiner. Les êtres humains ne peuvent plus évoluer spirituellement parce que leur alimentation est trop malsaine. Ensuite, il y a la nourriture de l'air.
Là aussi, vous savez à quel point l'air est pollué de plus en plus, surtout ceux qui viennent des grandes villes. Là aussi, nous essayons de participer consciemment à réduire cela, lorsqu'aucun de nous ne monte de la vallée jusqu'ici, en étant seul dans sa voiture. Et donc, nous participons à cette non-pollution, au moins de cette manière-là. Et ensuite, notre exercice le plus important, mais que nous pouvons considérer aussi comme un mode de vie qui a introduit dans l'air une énergie de conscience aussi, c'est l'exercice d'attention consciente à la présence, à la respiration. Donc le plus souvent possible, nous sommes conscients de notre respiration, comme considéré comme peut-être le facteur d'éveil et de réalisation spirituelle le plus important. Ensuite, il y a la nourriture des impressions. De la qualité des impressions dépend la qualité de nos pensées, de nos émotions. Les impressions qui entrent en nous sont une nourriture. Beaucoup d'entre vous se nourrissent eux-mêmes et ils nourrissent leurs enfants, avec la télévision par exemple. C'est-à-dire qu'ils font entrer en eux et dans leurs enfants constamment de la violence et de la peur. Ça, c'est la nourriture la plus importante contenue dans les impressions quand on regarde la télévision. Nourriture de violence et de peur. Et lorsqu'on n'est pas conscient et lorsqu'on est mécanique, comme l'être humain ordinaire la plupart du temps, il n'a évidemment pas conscience du poison que représentent ces impressions qui entrent en lui. Comme lorsque vous mangez un aliment traité avec des produits chimiques, la plupart du temps vous n'avez pas conscience des colorants, des conservateurs et tous les autres produits qui sont dans ces aliments. Mais un jour, vous avez une allergie, vous avez une intolérance, vous avez un cancer, vous avez Alzheimer, des rhumatismes, ou bien vous voyez votre humeur se dégrader avec les années. Vous devenez de plus en plus nerveux, agacé, angoissé, ou irritable, ou en colère, et vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vient des toxines dans les aliments, ça vient des toxines que vous respirez, et ça vient beaucoup des toxines qui sont dans les impressions. C'est la raison pour laquelle moins on regarde la télévision ou moins on regarde les journaux d'information et les magazines, mieux on se porte. L'important, c'est de prendre conscience à quel point il y a des éléments polluants dans les aliments, dans l'air et dans les impressions. Vraiment important de prendre conscience que ça agit sur votre possibilité de réalisation spirituelle. Si vous polluez trop votre corps physique, si vous êtes trop pollué par le manque de présence à votre respiration, si vous êtes trop pollué par les impressions, vous avez un corps physique, un centre émotionnel et un centre intellectuel qui ne sont plus capables de laisser entrer et se manifester l'esprit en vous. Vous ne pouvez ni réaliser l'esprit, ni vous libérer, ni vous éveiller spirituellement. Il faut prendre conscience de ça. Thank you.
C'est notre amour qui enveloppe quelque chose. Les êtres humains ordinaires ont besoin de voir leurs amours éveillés par quelque chose qui se passe à l'extérieur. Par un autre être, par exemple. De la même façon, ils ont besoin de voir leur sens de la beauté s'émerveiller devant quelque chose de beau. Lorsqu'on est éveillé, on projette son amour sur les choses. La chaleur, elle rayonne vers les choses. Lorsqu'on regarde une chose ou un être, on voit sa beauté. Parce que c'est à partir de la beauté intérieure qu'on perçoit. Mais tant que ça n'existe pas en soi, tant que ce lieu en soi n'a pas été éveillé, il faut qu'il soit chaque fois un peu éveillé par quelque chose qui vient du monde extérieur. En fait, ce que je viens chercher là, en venant, c'est la capacité à rentrer dans l'âme apaisée, c'est-à-dire à contacter cet apaisement, ce calme, et de partager ça, en fait. Et de partager ça ici, mais je vois depuis 3 ans qu'avec ma sœur, les relations changent, avec mes parents, les relations changent, et ça, c'est du bonheur, quoi. C'est un profond bonheur, quoi. Tout peut changer. Si on met en pratique les différents exercices, c'est pas le résultat immédiat. Mais dans la vie, les choses changent. Ça, je peux vous garantir que ça change. Et beaucoup. C'est-à-dire que c'est une question qui s'est posée il y a très longtemps pour moi. J'étais déjà très jeune, d'ailleurs. C'est la question du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Et puis, un certain nombre de questions sans réponse aussi qui m'ont mené à ça. Je ne trouvais pas dans les partages avec mes amis, avec les gens autour de moi, ma famille, j'arrivais pas à partager ce qu'il y avait au plus profond de moi. Il y avait toujours une partie de moi qui n'était pas dite ou incomprise. Et à travers les maîtres de sagesse, c'était cette partie-là de moi qui était exprimée. Un des gros problèmes des scientifiques qui a été mon gros problème, c'est l'orgueil. Puisque par la science, on croit savoir. Et on a beaucoup d'équations qui nous rassurent. Et on peut avoir réponse à tout. Et comme on peut avoir réponse à tout, c'est très difficile de se dire qu'il y a des réponses qui ne se trouvent pas dans les équations. J'ai beaucoup appliqué, par exemple, les méthodes d'observation qui sont enseignées ici par Céline Maïssel dans mon métier. Et ça m'a permis, moi, de faire des découvertes qui ont été des jalons importants dans ma carrière scientifique. D'observer encore une fois et encore une fois des choses qui semblaient évidentes pour tout le monde. Et moi, dans cette manière d'observer, par exemple, dans mon métier, qui est par exemple les cristaux, des choses comme ça, j'ai découvert certaines propriétés, qui ont été publiées, qui ont donné lieu à des sociétés même, à des brevets, grâce à des choses que j'ai apprises ici. Le premier truc, c'est vraiment la clarté. Et cet enseignement propose de vérifier les choses, parce que même les exercices qui sont proposés, c'est jamais dogmatique, c'est toujours des expérimentations. Et ça, normalement, un scientifique ouvert, il ne peut qu'adhérer s'il est curieux. Bon, évidemment, il faut faire l'hypothèse, c'est une hypothèse de travail, mais en science, on le fait aussi, qu'il existe un niveau de conscience qui est plus élevé, on va dire, ou qui est différent de celui de la conscience ordinaire. Mais qu'il existe une conscience supérieure à la logique mathématique, etc., c'est quelque chose qui n'est pas du tout farfelu. Donc voilà. Donc un scientifique, ici, normalement, il a vraiment sa place. Et donc il est nécessaire d'aborder ça avec l'esprit d'un enfant curieux, ouvert. Et beaucoup de scientifiques ont cet esprit d'enfant curieux, enthousiaste. Ils cherchent aussi la vérité. Je vois parfois que dans la science, il y a aussi des dogmes, comme on peut en trouver dans certaines religions. Ce qui n'est pas le cas ici. Il n'y a pas de dogme, il n'y a que des propositions de travail.
quelle est la personne qui vous aime le plus? Quelle est la personne qui vous aime le plus? Vous pourriez rajouter une deuxième question. Quelle est la personne qui s'occupe le plus de vous? La personne qui vous aime le plus, c'est vous-même. Et la personne qui s'occupe le plus de vous, c'est vous-même. Et la personne qui s'occupe le plus de vous, elle vous rend heureux? Elle vous rend serein, joyeux? Elle réalise vos aspirations spirituelles? Vous-même, qui vous occupez le plus de vous, est-ce que ça marche bien? Vous vous rendez heureux, serein, joyeux? Et vous réalisez vos aspirations spirituelles? Le problème, c'est que souvent, j'ai l'impression que je suis la personne qui, avec sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon de faire et d'agir, c'est la personne qui me rend triste. Je suis la personne qui me rend triste, qui m'agite, qui me fait vivre toutes sortes d'angoisses, qui me déprime et qui va tout à fait à l'opposé de mes aspirations spirituelles. Votre pire ennemi, c'est souvent vous-même. La personne qui vous fait le plus de mal, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Vous n'êtes pas votre meilleur ami, mais très souvent votre pire ennemi. Pas toujours, puisque de temps en temps, vous vous emmenez dans la joie, un peu de calme, vous travaillez à réaliser vos aspirations les plus élevées. Quelle confiance pouvez-vous faire à cette personne-là? Cette personne, c'est ce qu'on appelle votre personnalité, hein? La première fois que je suis venue et que j'ai écouté parler Céline Maïssel, j'ai su que c'était ça. Et moi, pendant longtemps, je sais que je considérais les choses de la vie ordinaire comme quelque chose de tout à fait trivial, que ce n'était pas important, etc. Et là, ce qu'il nous apprend, c'est qu'en fait, tout est important. Et par la présence, on accorde de la valeur à tout. La présence, pour moi, c'est vraiment être dans ma respiration. Être présent à ma respiration et dans tout ce que je fais. C'était essentiellement mon intention venant ici, c'était de créer un lien très fort avec les trois piliers. Revenir ici, ça m'apporte, quand je faillis un peu, ça m'apporte cet élément que j'aurais pas autrement, c'est-à-dire que ça me donne une énergie supplémentaire et c'est comme des marches supplémentaires que je grimpe à chaque fois. Et quand je ressors d'un stage comme celui-là, je suis jamais la même. Et la manière
dont j'emmène cet enseignement dans ma vie. J'emmène le regard attentif à l'autre, le sourire, ça c'est quelque chose qui m'est resté. Cette notion d'être bon, j'en ai compris dans ma vie. Cette notion d'embellir le monde à l'endroit où tu es. Le travail que j'ai fait ces dernières années, grâce au travail de Céline Maïssel, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup éclairé. Et je fais comme il le dit, c'est-à-dire qu'il dit souvent ne jamais croire et expérimenter, appliquer, expérimenter et tirer vos propres enseignements. Et au fur et à mesure que j'ai mis ça en pratique, j'ai commencé à comprendre que mes propres fonctionnements me donnaient leur vérité. Je voyais d'une part des limitations et en même temps, je voyais des ouvertures vers d'autres choses. Et au départ, c'est vrai que c'est un pressentiment. On ne peut pas toujours avoir de vérité définitive, puisque c'est très relatif tout ce qu'on découvre. On chemine et on ne fait qu'un pas à la fois. Mais en même temps, depuis ces années, j'ai de nombreuses découvertes qui se sont succédées, et d'éclairages et de compréhension. Quant à la vie elle-même, au sens de la vie, ce qu'on est venu faire ici et ce qu'on peut faire pour améliorer la vie aussi. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ouvre là. Tu sais, il ouvre les portes. Il t'ouvre un peu, il te dit, passe par ici, il te fait un peu de lumière, il dit, non, c'est mieux là, non, là, il ne faut pas aller, passe pas de cet côté. Et là, on est face à un homme qui incarne ce qu'il dit, qui est vraiment l'incarnation de ce qu'il dit. Partout, nulle part ailleurs, j'ai vu ça. En tout cas, je pense que si je suis présente à ce qui se passe autour de moi, à une personne qui est en face de moi ou à mon corps, j'ai l'impression de vraiment vivre. Sinon, j'ai l'impression d'être un fantôme, enfin de ne pas vivre ma vie. C'est à ce moment-là que je me sens vivante et voilà, je sens que ma vie est précieuse. Oui. Soi-disant scientifiques, ils sont morts, mais personne n'est revenu pour nous le dire. Ils se trompent. Nous sommes tous revenus, mais nous l'avons oublié. Comme nous avons souvent oublié ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère. Pourtant, nous y avons été. Comme nous avons oublié les premières années de notre vie, très souvent. Pourtant, nous l'avons bien vécu. Et tous ceux qui ont été, qui sont revenus et qui s'en souviennent, ils savent que c'est comme ça. La vie ne va pas s'arrêter à la mort. La vie continue. Tout se transforme et la vie continue. Seulement, c'est un moment de métamorphose importante. Et il y a certaines choses dont il faut arriver à se souvenir au moment de la mort. Il faut être capable d'être soudain attentif. Et pour ça, il faut s'être entraîné au cours de la vie. C'est-à-dire que la pratique de l'attention consciente, dans la présence et de l'ouverture aux autres et à toute situation est de la plus grande importance au moment de la mort. Être quelqu'un qui est capable d'être un peu présent et dans l'accueil chaleureux qui dit bienvenue au moment de la mort, c'est de la plus grande importance. Donc tout ça ne fait pas seulement du bien tous les jours lorsqu'on le pratique. Mais c'est très important pour la suite. Donc il faut s'être entraîné
le minimum, parce que ça va tout changer. Au moment de la mort, il est possible de réaliser l'acceptation chaleureuse de ce qui est en train de se passer, l'amour de ce qui est. Il est possible d'être dans la sérénité et dans une espèce d'enthousiasme qui est en réalité une forme de curiosité. Il est possible d'être l'observateur de ce qui se passe dans sa mort. Dans cet abandon du corps astral qui correspond à ce que certains appellent le purgatoire, on revit toute sa vie à travers ce qu'on a provoqué chez les autres. On revit tout l'amour qu'on a provoqué dans les autres, mais on revit aussi tout le mal qu'on leur a fait. Et donc il s'agit véritablement d'un purgatoire. Et pour certains, c'est tellement grave qu'on peut même considérer que c'est un enfer. Ce qu'ils ont fait subir aux autres, ils le vivent à ce moment-là. Et ensuite, pour certains, ils s'élèvent dans ce monde spirituel vers ce que les uns appellent le paradis, les autres le nirvana. Et selon les maîtres de sagesse, la plupart des êtres humains, pour compenser tout le mal qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils ont pensé, il faut qu'ils reviennent sur Terre pour le faire, pour s'incarner à nouveau. Et tout le mal qu'ils ont fait devient le lieu de leur souffrance au quotidien. Et pour ceux qui croient à la réincarnation, ils savent qu'il s'agit là de répétitions de vie presque à l'infini, où les mérites conduisent à des formes de plaisir ou de bonheur ou de joie sur Terre, tandis que le mal qui a été fait fait retourner dans les espaces d'enfer qui existent à l'intérieur de chacun et sur Terre parfois. Mais le problème, depuis quelques décennies maintenant, depuis que d'autres forces spirituelles que nous pouvons appeler négatives, que nous pouvons appeler tout simplement des forces d'opposition à l'évolution humaine, depuis qu'elles imprègnent l'humanité, et tout ce que vous voyez comme souffrance supplémentaire, comme chaos supplémentaire dans l'humanité, arrive sous l'influence de ces forces-là. Et il est évident, et tout le monde sait, que toutes ces catastrophes écologiques, sociales, politiques, religieuses, économiques n'ont jamais existé autant et partout en même temps. Et depuis que ces forces-là sont actives, les êtres humains n'arrivent plus à devenir suffisamment conscients. Ils n'arrivent plus à entrer en contact suffisamment avec les qualités de l'esprit. Sauf quelques-uns. Puis les maîtres de sagesse disent, et il y a des hommes et des femmes qui un jour décident, en devenant un peu plus conscients, de développer l'amour et le respect pour ce qui les dépasse, la compassion pour ceux qui sont limités ou dans des souffrances. Ils développent l'amour et la compassion, ils développent la sérénité, la joie, leur pensée devient claire, et quand leur corps meurt, c'est ça qui leur reste. S'éveiller pour nous signifie accéder de façon quasi directe au cercle conscient de l'humanité. Dans le langage de certaines religions, ça signifie se rendre soudain compte au cours de sa vie de tous les jours
que le royaume des cieux n'est pas à l'extérieur de soi, que le paradis ou le nirvana n'est pas à l'extérieur de soi, mais qu'il est à l'intérieur de soi. En fait, l'intérieur, c'est un lieu de passage vers l'esprit. L'éternité n'aime pas les visages tristes. Yeah.